Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy VII Rebirth. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire l'étude des affaiblissements pour débuter cet épisode et puis ensuite on ira continuer notre aventure. Peut-être voir Cloud en maillot de bain, Tifa et Aerys également. Peut-être, non pas Barrett puisqu'il sera en tenue de marin et on pourrait être surpris par l'outfit de Red 13 peut-être. Alors réduit de 3 la puissance, je dois gagner avec ça hein. Bon, j'ai oublié de commencer avec ça de base, de toute façon. Si je fais ça... Je fais rien du tout. Alors attendez. Qu'est-ce que ça fait déjà? Réduit de 3 la puissance des cartes adverses sur les cases à effet spécial. Il faut que j'arrive à mettre un 2. Donc pour mettre un 2... Comment j'arrive à mettre un 2 ? Ici. Je peux pas mettre un 2 là. Comment je mets un 2? Je peux pas mettre 2-2. Si je mets un 1 là. Je peux mettre un 2 là. Voilà, hop. Je gagne ici. Et je mets un 3 là. Ok, il y a que ça. Et comme ça, c'est très bien. Bon, bah celui-là, il était facile. Ok. Il y a cet élémentaire, casse-tête avancée. Pourquoi il n'y a pas il y en aura d'autres, du coup, je suppose. Il n'y a pas de petit V ici. Ok. Ça devrait arriver. Tu nous vends des cartes, toi. La boutique de cartes à jouer. Bienvenue. Bonjour. Chasseur de pirates. Le reste, on a tout. Donc, on va t'acheter ça. Bouchon de plage et couronne lancière. De rien. Ta-la-ta. Alors, il y a ça. Qui est l'histoire annexe. Apparemment. Guichet d'échange de tenue de plage. Guichet d'échange. Rendez-vous au guichet d'échange de tenue de plage. Bah oui, bah c'est ce qu'on va faire. Je vois pas en quoi c'est une quête annexe ça. Costa. Superbe tenue de plage. Ok, ok. Surfeur sauvage et chocobo de l'océan. Bah ouais, on prend surfeur sauvage et on prend chocobo de l'océan. Hein. On prend les deux. Bon, comment je me change maintenant? Vous pouvez utiliser les cabines d'essayage pour enfiler vos tenues de plage. Vous trouverez ces cabines un peu partout dans Costa del Sol, près de la plage ou du gîte balnéaire de Johnny par exemple. Merci et bonne journée. Ah ah. Là qu'on a plus notre arme, on se sent déjà nu. Ta 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 ta. Cabine d'essayage, ex-soldat première classe, Cloud, liste des tenues. Un chocobo de l'océan. C'est une plage pour ressembler à un superbe chocobo marin. Ok, ok. Et surfeur sauvage. Une tenue de plage pour laisser parler son côté déchaîné et surfer sur n'importe quelle vague. On va avoir Cloud torse nu. Bon, bah évidemment. Hein. Évidemment qu'on met Cloud torse nu. Ben ouais. Quel beau gosse. Allez, let's go. En tongue. Ta-da-da. Bon, on en est prêt, hein. Pa-pa-da. Ouais, nous sommes un combattant, ouais. Soldat première classe. Ta-ta-ta-da. Bon, eh ben... On a pu mettre une chemise quand même, on va prendre des coups de soleil, le pauvre, là. C'est vrai qu'il a... Ouais, il va prendre des coups de soleil, le pauvre. Ta-ta-da. Alors, faut que je descende, je dois descendre par là. Ta 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 la. Mais bon, c'est un peu comme dans Xenoblade, hein, on peut pas se permettre. Ils sont vraiment tous là. Pas se permettre. Mère n'attend plus que vous, en effet. Oui, oui, oui. Avec cette tenue, évidemment. Y'a Barrett qui est déjà là.
Lui, il a pu passer avec ça. Tu peux m'acheter ça? Pas maintenant. Pas maintenant, il a dit. C'est quoi ce type? Complètement l'ambiance. Bah, un peu, ouais. Ah, te voilà. Yes. Aucune remarque, hein. Se regroupe, on dirait. Ouais. Ils ont pourtant rien fait de mal, ces pauvres gars, pareil. Et malgré ça, les gens ont peur, on les traite comme des chiens. Ils se font refouler partout où ils vont, c'est triste. Bon, en même temps, ils se transforment un peu en bête sauvage. Cassez-vous maintenant. Hey, vous, laissez-les tranquilles. Ouais, voilà. C'est pas possible, ça. Ouais, meilleur outfit, hein. Gîte balnéaire de Johnny. Alors, les filles prennent leur douche et Red 13 se la coule très douce. Oh, mais il n'y a aucun problème. Aucun problème. Oh mince, l'eau s'arrête plus. Oh. Yes. Décidément, tout tombe en ruine ici. Légèrement problème d'arrivée d'eau. Ça me rappelle le bidonville. Ça y est, évidemment. T'as déjà fini? Pourquoi? Iris? Pourquoi trois... Oui, c'était pas Red 13 qui parlait. Réponds. Parler à qui? Dis-moi, c'est quelle couleur pour toi? C'est transparent, ça. Incolore. Transparent, incolore, ça. Avant, elle était blanche. Ah. Enfin, du moins, quand on était à Midgar. Mais tu vas te coucher là, Iris? C'est quoi ça? Les matérias sont un condensé de la rivière de la vie. Ce sont des souvenirs du savoir. Tenue décontractée. Ils me les ont pris. C'est quoi, c'était souvenirs, c'est ça? C'était des souvenirs importants. Oui. Extrêmement. Comment tu peux savoir qu'ils étaient importants si tu ne les as plus? Bon, et cette plage? Bon, a priori, oui. Hein. Tu ne devais pas aller chercher Tifa et sortir? En train de perdre des souvenirs et toi tu dis d'aller à la plage. La pauvre. Mais c'est qui parlait par contre? Point d'interrogation. La voix me parlait mais... mais tu t'es pas changé du tout là, Iris? Ça ne va pas du tout. Pas aller sur la plage comme ça, ça va pas. Je te déconseille d'aller en ville toute seule. Si tu veux sortir, invite Tifa. Tu viens avec moi de toute façon, non? Ah, on va devoir faire des épreuves toutes les deux et on va changer de tenue Tifa, aussi. Ça va? T'es prête? On y va? Oui, une seconde. Une seconde, je remets mon froc. On peut y aller. Allez. Alors tu viens de te prendre une douche des tenues appropriées. Et tu refous tes habits dégueulasses. Ouais. Yes. C'est parti. Allez, vous avez trois panoplies différentes. Alors pendant l'événement spécial qui est Costa del Sol, Del Armor, vous contrôlez Iris et Tifa et alternez entre elles avec L2. Changer de personnage n'affectera pas le déroulement de l'histoire. Changer de personnage n'affectera pas le déroulement de l'histoire. Bon. T'as de la chance. Avec L2, c'est quoi L2? De toute façon, on va contrôler Iris. Hein. Left 2, c'est là, mais comment... Je peux pas changer de personnage, de toute façon. Ah si, c'est ça, attendez. Mais... L2, tu fais des lamors. C'est ça, c'est... Ah non, c'est la gâchette, c'est celle-là. Bah, je sais pas. Aïe, ah, ok, il faut que je sois à côté. Ok, suis-moi. Non. Voilà. Bon, on va jouer à Iris. Mais ça ne changera pas l'histoire, donc dans tous les cas, on prend celui qu'on préfère. Ou qu'on veut jouer.
mais il n'y a pas d'influence sur les relations des personnages. Il faut bien le préciser parce que on pourrait avoir peur. C'est à votre tour du coup. Yes. Et oui, vous avez le numéro 7. Yes. Ah bah parfait ça. Parfait pour Red 13. Ah ah. Le 77 cette fois. Et oui. Cloud il a le 7 et les deux filles elles ont le 7-7. Et à eux 3 ça fait 777. Papalapa Costa! Allez, Costa, ouais. Ouais, elle. Génial, ça a l'air sympa. Ouais. Elle s'intègre vite, Iris. Allez, let's go. Costa! Impossible. Et barrez-vous. Tintin! Allez. Montre-nous. C'est exactement ce que tu viens de dire. Ah ah. De la bonne viande. Red 13 est direct allé là. Ah bah Red 13 il a l'air d'avoir envie. Oui. Allez, eh oui, faut que tu gagnes. Ouais. Le mec s'appelle Red 13, mais c'est pas vraiment rouge quand même. C'est un peu plus rock orange, bref. La course sauvage est une compétition enflammée aux quatre équipes de bêtes sauvages qui disputent une balle qu'ils doivent envoyer dans le but du camp adverse. Sauter avec L2, tirer vers l'avant avec carré, envoyer de la balle en l'air avec la croix, courir avec R2, appuyer une deuxième fois sur R2, L3, permettre de sprinter, ok. Jouer en mode grande pagaille de la course sauvage. Première ou deuxième place. Premier ex aequo, unique premier. Combien d'argent? Bon, on va essayer de. Bon. Ta 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 ta. Run wild. Bon, j'ai rien compris. Chocobo, il y a nous, il y a Dédé. Ah bah super. Ouah. Pas dans mon but. Ça me rappelle le Lucho Ball. Et c'est pas des bons souvenirs. Hein. Oh là là, quel but. Quel panier. Où est le ballon? Merde. Tant, 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 tant. Voilà, j'ai failli m'envoyer chez moi. C'est pas bon ça. Barrez-vous les logos. Il l'a envoyé. Pas leur péter la gueule au dogo. Oh, j'ai failli l'envoyer chez lui. Ta 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 ta. Ah mais c'est pour ça, il vaut mieux que je tape eux. Raté. Oh, c'est pas rentré là. Putain mais j'ai pas visé et... Je suis aussi nu au... Un nouveau ballon a été mis en jeu. Ah merde. Non. Ok. Ouf. J'ai réussi à me défendre. Oh, c'est pas rentré ça. Putain. Ouais, celui-là, il est donné, hein. Son instinct sauvage. Ouah. Je vais mettre un but là, non? Ouais. Merde, j'aime pas ça. Ah non! Je suis pas rentré dedans, sérieux? Non, barrez-vous! C'est quoi cet instinct sauvage? Moi, j'ai pas l'instinct. Ah putain! Il a foutu l'enfoiros. Yeah.
C'est moi qui mets tous les buts. Putain. J'ai mis tous les buts et... Mais c'est, ça rentre pas là, sérieux. Ah. J'ai mis les rouges. Les jaunes. Les jaunes rouges, c'est moi. J'ai mis le chocobo, putain. Nick. Non, c'est chez moi, ça. Oh, le con. Oh, je me suis auto-niqué. Oh, le but contre son camp. Ok, merci, gars. Oh, c'est pas rentré. Oh, non, mais le con. Oh, le con de son camp. Oh. Ok, l'abruti. Oh, non, mais c'est une... Oh, la purge. Oh, non. Ah bah je me suis bien foiré là. Hein. C'est la meilleure viande que j'ai mangée de ma vie. Un vrai délice. Bon, c'était pas très... C'était pas très fair ça. Tifa, regarde. Ah. On a eu des gros problèmes là. Là c'est un vrai... C'est vraiment très con quand même. Parce que j'ai mis tous les buts sauf un. Enfin non, je les ai tous mis d'ailleurs. Non, sauf un, je crois qu'un jaune, c'est pas moi qui l'ai mis. Et le dernier, mais il a pas compté, évidemment. Mais le pire dans tout ça, c'est que je me suis fait avoir sur mon propre but, quoi. Dégage-toi. On va y voir Johnny, qu'est-ce qu'il nous fait de Johnny, là. Et faire un héliport, ça allait servir à quelque chose à un moment, c'est sûr. C'est quand même pas rude. Tifa, Aerys, qu'est-ce que vous faites ici? J'allais te le demander. Lol, le machin il avance. Ouais, de la Shinra là. Cadre de la Shinra. Je suis chargé de la porter jusqu'à l'hôtel. Mais pourquoi, Johnny? Tu détestais la Shinra pourtant. Qu'est-ce qui t'arrive? Les dettes, ça s'appelle. Ordre du maire. Je le vois tellement. C'est pour lui que je le fais. En tout cas, on me traitera plus de radégo comme avant. Ouais. Partons d'ici. Ouais, partons, ouais. Allons-y. Allez. On s'attendait déjà à rien à Johnny, mais de la part de Johnny. Bon, il en met du temps. Apparemment, il s'est rendu directement au fond. Ok, alors est-ce. Lol. Bonne question, hôtesse. Ce serait quand même pas Rufus Shinra qui s'est pointé, quoi. Quelqu'un suffisamment d'important pour qu'on lui livre en hélicoptère 4 valises, quoi. C'est peut-être Rue des compagnies aussi, hein. Non, mais c'était là-bas, là. Il y avait une dame, là. Tintintin, paf. Gyropronade, sois terminée pour aujourd'hui. Disponible. Mais t'en as 5 derrière toi. Fais quoi maintenant, Tifa? Bah oui, ça c'est vrai. Attends, me dis pas que tu viens de Midgar, des bidonvilles. Bah si. Si, pourquoi? Oh, Tifa, tu n'imagines pas comme tu m'inspires, ma chérie, ma déesse. Vous imitez Johnny? Super. C'est tristement banal, en fait. Et bah toi alors, connard. Connasse. Mais je t'en foutrais des claques, toi. Mais garde-le pour toi, Johnny. Hein. Tifa ne t'a rien fait, que je sache. Laisse Aerys. Elle est juste un peu jalouse. Yes. Foutu de la bête. Je te paye pas à discuter. Va me récupérer les gyropodes. Ouais, voilà. Parle pas comme ça, c'est clair. J'en ai marre à la fin que tout le monde ici me prenne de haut. Je te rappelle juste ton job. Ouais, voilà. Je démissionne. Ok, Jenny. Ah, pourquoi ça se passe toujours comme ça? Vous deux, vous êtes des amis de Jenny, non? Pas vraiment, non. Prendre service et me ramener les gyropodes à sa place. Mais t'as qu'à y aller toute seule. Mais quoi? De vouloir rendre service, mais il y a des limites. Moi, je suis bien d'accord, hein. Je me sens responsable pour ce qui est arrivé à Jenny. À
Alors, mais quoi? Je me dis qu'en aidant Jenny, je pourrais peut-être me racheter un peu. Tu comprends? Non, je comprends pas, non. C'est surtout pour soulager ma conscience. Ah, ça d'accord, à la limite. Allez, au boulot. Ok, alors je dois rapporter quoi comme gyropode là? Rapporter gyropode rouge, jaune et bleu disséminés un peu partout dans Costa del Sol au parking ayant la même couleur. Passionnant. D'accord. Et ben, on va aller chercher gyropode. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a des chocobos là. Orange. Non, je peux pas aller là. Ok, d'accord. Bon, d'accord, d'accord. Le jeu il me dit non. Ben, je dis non alors. Oui, oui, oui. On a déjà notre partenaire en tête, nous. Hein. Bien évidemment. Tintin. Il n'y a pas un là, quand même. Bon. Il en met du temps. On n'est pas là. Eh bah oui, ça fait quand même 10 minutes. Et on a déjà eu cette discussion, en plus. Ta-da-ta-ta-da. Est-ce qu'on voit Cloud d'ici? Je suis pas sûr, hein. C'est pas la bonne plage déjà? Non, je vois pas. Ta la la la. Bon, alors. Ta la 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 la. Ta 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 la la ta ta la. Est-ce qu'on voit les manteaux noirs d'ici? Y a rien sur la plage, y'a plus personne. Bon, d'accord. Vous devez bien pouvoir faire un effort. Et pourquoi faut-il être deux pour s'inscrire d'ailleurs? Puisque c'est bah oui, ça. Participez avec moi. Chef des services de la Shinra. Je doute que ce soit conforme au règlement. Personne suivante, s'il vous plaît. Oh, encore vous. J'ai rempli la mission qui m'avait été confiée aujourd'hui. Mal à se détendre après le travail, n'est-ce pas? Je m'en rappelle même plus quitter toi. Mais, pas du tout, Iris. Pour de vrai? Ben non. Puisque je vous le propose. Mais enfin, Iris. Merci beaucoup. Dans ce cas, ça va pas du tout. Je pars devant chercher les pampas voleurs. Rejoignez-moi sur place. Bon, barre-toi. Utilisez l'appareil que voici pour photographier les 4 pampas voleurs cachés en ville. Ah. Bonne bon, chance dans... à tous les pampas. Les Pamparadis, super. Alors, trouvez les 4 illustrations de Pampa Bonheur cachées à travers la ville de Costa del Sol. Appuyez sur la croix pour ouvrir la carte indiquant leur position et puis L1 pour zoomer. Si vous trouvez un Pampa Bonheur, sortez votre appareil et photographiez-les. Ok. Le défi des Pampa Bonheur est actuellement en cours. Prends une photo. Bah, il y en a un là. Hein. Je veux pas dire, mais. Non, ça marche pas, ça? Sérieux? Bon. Je peux quitter l'appareil photo? Ah. Au Pampa Bonheur. Alors du coup, il y en a un au niveau de la... Bah si, mais pourtant... Mais... C'est pas ça le Pampa Bonheur? Mais. Mais si, mais attendez, mais je comprends pas, ça s'en est bien un ça? Ça marche pas? Faut que je zoome ça comme ça. Non, ça veut pas. Hein. Bon, bah ça veut pas. Ils sont trop mignons ces Pampa. Bah oui, mais je suis censé en trouver un et il n'y est pas. Attendez pas à ça. Bon, bah je comprends rien. Les personnes munies d'un billet sont priées de se présenter dans le hall. Oui, un de nos gyropodes vous évitera les ampoules au pied. Eh oui, sauf que il faut que j'en retrouve déjà. Ah. Bah, ça me dit il y a une photo. C'est lui là, c'est ça? Eh mais je suis con, c'est après. Bah attendez, oui, mais attendez. Prends une photo. Hop.
Allez, zou. Bon, bah, comme ça, ça marche. Un pas bonheur trouvé. Non, mais lui, il a un problème. Hein. Ah, il y a un bleu là. Ah, il y a un rouge aussi. On va aller ranger le bleu. Hop. Il avait ramené un gyropode bleu. Il y a un gyropode jaune. Oh là là, mais ça va être... Elle regarde la carte en même temps. Ça, c'est bien foutu. Ta-da-ta-ta-ta-da. Ah, il y a un bleu également ici. Attendez. Tant qu'à y être... Ah, le piano, il fallait que j'y aille aussi. Non. J'ai à peine pété la... Sérieuse et compétente, qui n'a pas peur de bosser dur. Si ça se trouve, c'est ce côté-là qui plaît autant à Johnny. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle, elle est cachée derrière les caisses, sérieux. Mais please. Hop. Allez, un pot de... Il y a un pot de fleurs en moins encore. Hop. Elle va être cachée quelque part encore. Un petit bas gauche. Bon, il doit y avoir un pompa quelque part là. Ah. Il a ce con. Il va y avoir un pompa quelque part. La question c'est où? Ta da da da. Mais... Je ne le vois pas. Il regarde par là. Bah, ils ont quand même pas mis un pompa dans l'arbre. C'est trop le kiff. Ah, il est là. Ok. Je ne le voyais pas, mais là il est là. Alors, photo. Ta la ta. Talent, talent, talent. C'est la photographie un pampa bonheur. Et oui. Allez hop. Barre-toi toi. Un jaune. D'où le jaune. Ta la ta. Où est le dépôt jaune? Ah il est là. Hop. Il y en avait un autre juste là, si j'ai pas de bêtises. Ouais, voilà. Boum. Là aussi, elle les a tous rapportés. Et bah oui. Et en plus, elle les a rangés de sorte que les personnes suivantes puissent les emprunter facilement. Ah ouais. On a vachement fait ça. Ce qui fait son charme. Mais elle est vraiment cachée derrière tout. Non, non, on les a vraiment juste posés comme une merde. Hein. Alors. Il va y en avoir un pas loin, non? Dégage toi. Ta-ta-la-ta. Bon, il n'y en a pas là. Alors, on voit Barrett. Et il y a effectivement Cloud qui attend. Incroyable. Ta ta da ta ta. Ta na na na. Voilà. Nous avons Cloud et Barrett qui attendent. Parfait. Donc pendant que eux ils attendent sur la plage, nous on fait ça.
Et le temps qu'on a mis nous à faire ce qu'on a fait avec Cloud, elles ont pris une douche. Ah ouais. Franchement, chapeau les filles. Il manque un rouge. Ah. Salut toi. Tadatin. Et un poteau de feu. Un truc de feu en moins. Et un autre encore. Elle va être cachée là, voilà, derrière le mur. Oh, regardez, non mais sérieux, elle est un pète, hein. Elle est consciencieuse, fiable et toujours prête à aider. Oh, pas étonnant que Johnny soit raide dingue d'elle. Faut croire que je m'ai trompé sur toute la ligne. Alors t'es au courant que je joue à Eris en plus, hein. Eh oui. Je renonce définitivement. Mais non, garde-le. J'ai bien compris que je faisais pas le poids face à toi. Mais on s'en fout de Johnny, nous. Tiens. Deux cartes, engage de bonne foi. Sans rancune. Sans rancune. Mais attends, on s'en fout de Johnny, nous. C'est sympa de ta part. Je pense que tu devrais en garder une. Quoi? Utilise-la pour t'offrir une tenue d'enfer qui fera tomber Johnny à tes pieds. Eh oui. À propos de Johnny et moi, il y a clairement un malentendu. On est des amis, rien de plus. Eh oui. Ah bon ? À entendre Johnny, ça avait l'air plus sérieux. Tendance à tout exagérer. Ouais. C'est pas faux. Vas-y, garde tes cartes à mort. Mais il a la manie de foncer tête baissée dans les ennuis. Alors en tant qu'ami, ouais, je me sentirais plus tranquille si quelqu'un était à ses côtés pour veiller sur lui. Ah, t'essaies de me le refiler pour te débarrasser de lui ? Pas du tout, un peu. Mais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. D'accord, d'accord. J'ai rien dit. Ok, je vais tenter ma chance. Vas-y, Jenny. En plus, j'ai l'impression d'en avoir appris davantage sur lui. Jenny, Johnny. Et puis, ouais. En amour, faut savoir s'accrocher. Mais déjà, est-ce qu'il te connaît ? À plus. Ouais, à plus, ouais. Ouais, n'importe quoi comme Harris le fait d'un coup de la tête. Tadam. Bon, va falloir que je remarque les petits pains de pas bonheur là. Alors j'ai trouvé. Celui qui était là. J'ai trouvé celui qui était là. A priori, il y en a d'autres qui doivent être par là. Alors j'ai pris la carte à l'envers. Mais qu'est-ce que Giropod fait là? Bah attendez, quoi? Mais elle ressemble à quoi la carte là? C'est bien, je me trompe complètement sur la topographie. Il y avait là, là. Ah mais c'est juste là en fait. Attendez. Je me trompe effectivement complètement sur la topographie. Vu qu'on vient de prendre ça. Du coup, c'est celui qui est là que j'ai pas pris. Ah oui, mais c'est à l'entrée. Ok, ok. Et il y en a un autre qui doit a priori être quand même vers. Il y en a un là, et du coup. Ouais, il y en a un sur le mur dans la descente. Ok, au fond. J'aurais quand même. Ouais. À prendre un gyropode. Là, c'est qu'on a fait la quête, mais du coup, ils sont tous ressortis, quoi. Hop. Voilà, censé avoir un gyropode par là. Un gyropode, un machin là. Alors par où es-tu ? Pampa Bonheur. Eh oui, petit Pampa Bonheur. Caché derrière le mur là, non ? Hop. Ta-da-ta-ta-ta. Alors, il est potentiellement quelque part. L'eau est sublime, hein. Ah, il est là. Ok. Prends une photo.
Oh, sérieusement? Faut que je sois. Faut que je sois de là-haut, je suppose. Ta 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 ta. Et oui, il est par là. Ta 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 ta. Paf. Photographier le Pampa Bonheur. Ok, non, mais il est complètement. Complètement. Fera pas dingue celui-là. Hein. Tu es starbé. Complètement fou. Alors, nous allons nous arrêter là pour cet épisode de Fire Emblem. Pas du tout. De Final Fantasy VII. Lol. On sauvegarde. Et paf. On se retrouve dans le prochain pour la suite de cette quête. Tin, tin, tin. Ciao, ciao tout le monde.